Voilà, donc nous sommes rendus, nous saluons de nouveau donc tous ceux qui nous suivent, donc ces centaines de personnes qui au travers de la terre donc être présentes maintenant à l'écoute de la parole de Dieu. Je sais que là-bas donc en Europe c'est minuit, ailleurs dans le monde ils sont en train de se lever dans l'océan Indien, mais de toute manière nous sommes à l'écoute de la parole de Dieu, quelle que soit l'heure. De toute façon quand l'enlèvement va arriver, on va tous être prêts, amen, au Seigneur, pour monter dans les airs à la rencontre du Seigneur, et ainsi nous serons toujours avec lui. Amen. Alors, gloire à Dieu. On se lève ensemble, si vous voulez bien. Nous allons faire une lecture dans les Saintes Écritures. Alléluia. Merci Seigneur. Alléluia. Gloire à Dieu. On va lire, si vous voulez bien, dans Galates. Galates chapitre 5. Galates chapitre 5. Et nous allons lire à partir du verset 17. Galates chapitre 5, verset 17. Même le verset 16, c'est l'apôtre Paul qui déclare « Je dis donc, marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit. Et l'esprit, le Saint-Esprit, en a de contraires à ceux de la chair. » Ils sont opposés entre eux, afin que vous ne fassiez pas ce que vous voudriez. Si vous êtes conduits par l'esprit, vous n'êtes pas sous la loi. Or, les œuvres de la chair sont manifestes, c'est clair, c'est visible. Ce sont l'impudicité, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, la magie. Donc l'occultisme, les inimitiés, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, les hérésies, l'envie, l'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables. Je vous dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu. Seigneur, nous sommes devant toi, nous te bénissons. Nous te demandons, Seigneur, que nous puissions être sobres, que nous puissions être en éveil, en alerte, que nous puissions être en veille, parce que nos âmes, Seigneur, sont recherchées par Satan. Comme tu l'as dit toi-même à l'apôtre Pierre, Satan t'a réclamé pour te cribler comme du froment. Ah, Seigneur, notre âme n'est pas à vendre, car tu nous as achetés à un grand prix et nous voulons te suivre, nous voulons te connaître, nous voulons te servir, nous voulons marcher véritablement selon le Saint-Esprit. Aide-nous à comprendre, aide-nous à apprendre et à réaliser certaines choses au travers de cette conférence. Au nom puissant de Jésus-Christ, amen et amen. Et tout le peuple dit amen. On peut s'asseoir, frères et sœurs. Alléluia. Attention à la chair. La chair va vous jouer des mauvais tours. Et c'est là où justement nous avons besoin de faire, je dirais, véritablement un sondage intérieur où David lui-même va dire, Seigneur, regarde si je suis sur une mauvaise voie. Il se pourrait que nous soyons sur une mauvaise voie et nous ne voulons pas être ignorants. Vous savez que ce conseil, le quatrième, attention à la chair. Le corps, votre corps n'est pas mauvais, mais le corps réclame, crie très souvent, très fort. Pourquoi ? Pour obtenir une gratification excessive en contradiction directe avec la parole de Dieu. L'apôtre Paul faisait attention à cela parce qu'il savait que ce n'était pas parce qu'on est prédicateur, parce qu'on a suivi le Seigneur pendant un certain temps. Paul savait très bien, évidemment, les quatre terrains où Jésus avait dit la semence est tombée sur quatre terrains. Et donc, il y en a qui croient pour un temps, puis ensuite, donc, disparaissent dans le brouillard. Et là, l'apôtre Paul faisait très attention, il ne se fiait pas à lui-même.
Parce que nous avons un ennemi intérieur. C'est vrai qu'il y a le diable, c'est vrai qu'il y a le monde, hein, l'esprit du monde, l'esprit de Satan. Mais il y a aussi, je dirais, l'ennemi, la cinquième colonne, qui se trouve pas très loin de chacun d'entre nous. C'est notre corps. Et là, l'apôtre Paul dit, je tiens mon corps assujetti. C'est-à-dire, je le tiens en subjection, je le tiens soumis. Je le traite avec dureté, pas avec malice, avec dureté. Et là, il emploie une expression, aujourd'hui, on pourrait dire en bon français, comme un punching bag, c'est-à-dire ceux qui s'entraînent, les boxeurs, vous voyez, paf, paf, paf. Je le tiens donc, je dirais, assujetti, et je le frappe comme un punching bag, donc doit répondre à l'appel du boxeur. Donc, on voit que Paul va dire, je tiens mon corps assujetti de peur que, voilà la peur qu'avait l'apôtre Paul, de peur qu'après avoir prêché, donc la vérité, non seulement la connaître, non seulement avoir été sauvé, l'avoir prêché, hein, mais donc l'avoir annoncé, de peur qu'après avoir prêché aux autres, je ne sois moi-même disqualifié. Et peut-être se rappelait-il l'histoire de Démas, qui pendant un temps fait partie de l'équipe de l'apôtre Paul, et un jour Paul a été obligé d'écrire à Timothée, alors qu'il était, Paul était prisonnier à Rome, il a écrit à Timothée en Asie mineure, il lui a écrit, tu sais ce qui est arrivé, c'était la dernière lettre qu'on a de l'apôtre Paul, avant qu'il ne soit décapité, il dit Démas, imagine Démas, le prédicateur, l'homme de Dieu, il m'a abandonné. Il a abandonné l'Évangile et il est parti pour Thessalonique. Et vous savez que c'est un drame, donc, de suivre le Seigneur pour un temps. Jésus a bien dit, certains croient pour un temps. Pour un temps. Et évidemment, donc, nous devons faire attention à la chair. À la chair. Si je veux continuellement avoir les gratifications donc, que mon corps demande, hein, vous savez que votre corps va toujours demander un traitement spécial. Et dans le monde, ils ont un slogan, le monde païen, écoute ton corps. Vous voyez, nous n'écoutons pas notre corps, nous le punchons, paf, vous voyez, tu vas obéir, vous voyez, c'est pas toi, corps, qui va donc avoir le dernier mot, c'est moi qui vais avoir le dernier mot sur toi, vous voyez. Donc, ça prend évidemment de la discipline personnelle et nous devons, je dirais, demander au Saint-Esprit donc, de nous aider dans ce sens-là. Vos appétits charnels peuvent totalement vous éloigner de Dieu. Je répète, vos appétits charnels peuvent totalement vous éloigner de Dieu. Hein, on a lu, la chair a des désirs contraires à ceux de l'Esprit. Contraires à ceux de l'Esprit. Et l'esprit en a de contraire à ceux de la chair. Donc ces désirs différents sont opposés entre eux, afin que vous ne fassiez pas ce que vous voudriez. Donc évidemment, nous avons besoin de faire attention beaucoup à cela. La chair doit être gardée, maintenue sous contrôle. Le mot que Paul emploie, assujetti. Assujetti, je la tiens assujetti. Il n'y a pas d'autre façon. C'est comme les mauvaises herbes qui poussent dans un terrain, dans un jardin. C'est une bataille, c'est une lutte constante et nous devons nous y habituer. Nous devons nous y habituer. C'est un combat. L'apôtre Paul a dit qu'il a combattu le bon combat en quittant la terre. À nous de combattre le bon combat, pas de mauvais combat. Le bon combat. Donc, n'oublions pas que la récolte vient d'où ? La récolte dépend toujours sur le fait d'arracher les mauvaises herbes. Dès qu'elles poussent, il faut les arracher pour avoir une belle récolte. Et c'est la même chose pour notre vie. Il y a des chrétiens qui sont remplis de mauvaises herbes. Remplis, remplis. C'est un fouillis total. Vous voyez ?
Et nous avons besoin d'avoir donc des vies comme un jardin bien, bien rangé, comme quasiment un champ d'oliviers ou un champ de pommiers, comme on voit parfois. Ceux qui travaillent dessous enlèvent les mauvaises herbes pour que les pommiers puissent bien grandir. Pareil pour un jardin, c'est la même chose. Donc, nous devons faire attention à la chair. C'est une bataille, c'est un combat. Et ça peut nous emmener très très loin. Il y a des gens qui pensent qu'il n'y a pas de problème et tout ça, puis Dieu va comprendre, mais il ne comprendra pas. Vous voyez, il faut vraiment faire très attention. Voyez. Donc, c'est la raison pour laquelle Satan est toujours, à la guet. Et on sait qu'il y a des gens qui vivent, qui attendent toujours des miracles. Des miracles. Ils vivent uniquement donc, sur le fait d'attendre un miracle. Et puis la vie chrétienne n'est pas vécue, parce que la vie chrétienne est une vie de tous les jours, miracle ou sans miracle. Voyez, il y a des gens qui s'attachent tellement au miracle qu'ils pourront être séduits parce qu'à la fin des temps, l'esprit de l'Antéchrist va produire des miracles mensongers. Donc, nous devons faire très attention. Je dois avoir, nous allons voir, le discernement. Est-ce que cela vient de Dieu ou cela vient du diable? Oui, du diable. Et là, particulièrement, donc, la parole de Dieu parle d'une puissance d'égarement. On ne parle pas simplement d'un égarement, on parle d'un pouvoir d'égaré. Une puissance qui va égarer donc, les foules à la fin des temps. Et les gens vont croire, puisqu'ils ont rejeté la vérité de Jésus, eh bien, ils vont suivre une illusion, un mensonge très puissant, très fort, très puissant, et ils croiront le plus grand des mensonges. Ouais. Et là, évidemment, donc, les événements actuels, les événements mondiaux, les conditions actuelles de notre monde indiquent que même actuellement, maintenant, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, c'est que la plateforme, le stage, voyez, l'estrade est montée pour le plus grand mensonge de Satan. Le plus grand mensonge de Satan. La Bible dit que les gens vont abandonner la foi. Pour abandonner la foi, il faut évidemment donc croire à un mensonge. Ceux qui ont la foi ne peuvent pas vivre dans le mensonge. Mais Satan va procurer le plus grand mensonge global autour de la planète Terre à la fin des temps. Et quand l'Antéchrist va arriver, ils vont penser que c'est leur sauveur. Leur sauveur. Dans le réveil actuel de l'occultisme, le monde est en train de voir une manifestation de séduction qui prépare, c'est une préparation, qui prépare les gens que j'appellerais crédules, qui croient tout, ce qu'on leur dit, que ça vienne de n'importe quelle source. Hein, les gens donc sont préparés à croire, à accepter, à recevoir donc un mensonge. Et donc quand l'Antéchrist va arriver, la préparation mentale pour cela aura été faite. Et le Saint-Esprit dit expressément que dans les derniers jours, beaucoup de personnes vont abandonner la foi. Ce qui veut dire que même le monde chrétien, supposé chrétien, va être affecté. Qui peut nier que le Saint-Esprit parlait actuellement de notre époque quand Paul a écrit à Timothée? Le Saint-Esprit dit expressément. Ça veut dire, c'est pas à peu près... C'est prédit, ça va arriver, voyez, et déjà c'est en train d'arriver. Juste pour montrer une pointe de l'iceberg, c'est simplement ce que notre génération est en train de faire du mariage. Voyez. Il n'y a aucune autre génération qui s'est moquée du mariage comme la génération actuelle. Prescrivant de ne pas se marier. Qui prescrit de ne pas se marier? Les démons. C'est écrit dans 1 Timothée chapitre 4, verset 1er. Prescrivant de ne pas se marier, c'est une doctrine de démons. C'est les démons qui, autour de la planète Terre, donc, ont inscrit cela à leur agenda.
qui peut nier que l'on parlait de notre époque actuelle quand Paul a écrit à Timothée ? Et les experts en la matière nous disent actuellement, maintenant, que ceux qui pratiquent l'occultisme particulièrement se livrent et s'abandonnent donc ouvertement à un dérangement mental. On n'a jamais eu autant de gens dérangés mentalement que notre génération. Aussi, ceux qui se livrent à l'occultisme, ceux qui se livrent à la drogue, s'abandonnent aux tendances criminelles et une destruction personnelle même possible par le suicide. Le taux de suicide est en train de monter de façon inimaginable. Juste aux États-Unis d'Amérique, l'an passé, il y a eu 50 000 suicides. 50 000, voyez. Donc, on sait que quand le roi Saül a commencé à se détourner de Dieu et que Dieu ne lui répondait plus à cause, évidemment, de son entêtement, il s'est tourné vers l'autre source pour connaître dans l'au-delà, c'est Satan. Il est allé voir une sorcière, il a consulté une sorcière et le lendemain, il était en enfer. Le lendemain. Il s'est suicidé. Nous voyons, c'est très dangereux. Très dangereux. La Bible dit, tu ne tueras pas. Ou tu ne te tueras pas. Celui qui se tue est un criminel. Ceux qui prennent la seringue pour se donner la mort sont des criminels. Si on n'a pas de respect pour le début de la vie dans le ventre de la maman, il n'y a pas plus de respect à la fin de la vie. Et c'est la raison pour laquelle les gens qui disent « Oh, je suis trop fatigué, tout ça, moi je vais être heureux ou heureuse là-bas », les gens n'imaginent pas. Moi, mes cheveux se dressent sur ma tête quand on voit cette légalisation, donc littéralement, personnes qui se suicident. La Bible dit « Aucun meurtrier n'a la vie éternelle. Aucun meurtrier n'a la vie éternelle en lui. » Premier épître de Jean, chapitre 3. Oui. Ensuite, l'Apocalypse nous dit que les enchanteurs, c'est ceux qui font de l'occultisme. C'est un mot dans la Bible qui parle de ceux qui font de l'occultisme. Les enchanteurs se retrouvent dans l'étang ardent de feu et de soufre, ce qui est la seconde mort. Apocalypse 21, verset 8 et chapitre 22 et le verset 15. Chers amis, nous vivons dans un monde qui est obscur, mais il n'est pas encore tout à fait obscur parce que nous sommes la lumière du monde. Mais une fois que l'enlèvement aura eu lieu, à ce moment-là, la ténèbre totale va tomber sur ce monde. L'occultisme est un monde très dangereux. On ne joue pas avec ce monde-là. Quelqu'un va mettre, juste pour voir, pour connaître, « Ah oui, là-bas, on va faire une séance, il paraît que les tables tournent, tout ça, puis, et les rideaux ont soufflé, puis tout ça, puis tout d'un coup, les portes ont claqué, puis les lumières ont commencé à bouger, s'éteindre. » C'est très dangereux. Les démons jouent avec des bébelles comme ça, avec des histoires, je dirais, insensées. Donc, quelqu'un qui s'est adonné au spiritisme peut être délivré uniquement se tournant vers Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Tous peuvent connaître, par la foi en Jésus et par sa parole, la libération. Jésus a dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous libérera, vous affranchira. La télévision. Disons un mot sur la télévision. La télévision, chers amis, actuellement, constamment, il y a des programmes attrayants, humoristes, voyez, mais qui ont trait à l'occultisme. Ils sont supposés être éducatifs. Être éducatifs, même être pour les enfants, voyez. Et ça excite la curiosité, donc, pour ce domaine si mystérieux. N'oubliez pas que les gens, la moyenne actuellement dans le monde occidental, c'est entre 4 et 5 heures de télévision tous les jours. Rendez-vous compte de l'influence que la télévision peut avoir. Et évidemment, durant la pandémie, on a vu cela. La puissance, donc, des réseaux, les médias. Et sur ces réseaux, on va dire, c'est passionnant d'être un magicien, c'est passionnant d'être une sorcière, et tout ça. Et maintenant, les enfants, donc, eux-mêmes, trouvent amusant d'assister à des séances de magie.
c'est dangereux et c'est très, très grave. S'il n'y a pas de réaction, évidemment, de la part des parents devant une telle semence, vous voyez, eh bien, il ne faut pas être surpris plus tard si on voit les fruits qui en sortent. Hein. Instruis l'enfant dans les voies qu'il doit suivre. Et plus tard, il ne s'en détournera pas. Un enfant, normalement, va être sensible aux choses de Dieu. Et c'est bon, on va s'endormir, le lire un passage de la Bible. Il y a des livres excellents pour les enfants. Donc, s'agenouiller avec eux. Hein. Les enfants sont très sensibles. Jésus aime les enfants. Hein. Et donc, c'est autre chose hein, que de leur donner leur petit programme. Puis écoute ce que tu veux. Et on les laisse pendant des heures devant la télévision. Oh, chers amis, leur cerveau, il y a des choses qui rentrent là-dedans. Des choses très, très mauvaises. Hein. Et n'oublions pas que nous sommes régénérés, non pas par une semence corruptible, mais par une semence incorruptible par la parole vivante et permanente de Dieu. Cette parole qui est semée dans le cœur des enfants va rester, même s'ils ont après 30 ans, 40 ans, ça reste. Moi, je me rappelle, donc, quand j'étais à l'école, il y a quelqu'un qui est passé dans la classe et qui a parlé de quelque chose, je ne sais pas quoi, en Afrique, et il a dit un verset. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Paf ! Cette parole est restée dans mon cœur pendant toutes ces années-là. Vous voyez, parce que c'est la parole de Dieu. La parole de Dieu a une puissance inimaginable. Elle reste là, elle est gravée là, c'est une semence. Et là, nous avons besoin donc pour nos enfants, non pas de les laisser pendant des heures devant la télévision, sans qu'il n'y ait pas de réaction vis-à-vis des parents ou quoi que ce soit. Il faut absolument que vous puissiez réagir et leur dire, regarde, ça, non, non, on va arrêter là. Hein? Pourquoi? C'est mauvais, et ainsi de suite. Et on explique, vous voyez, Jésus a dit, si quelqu'un scandalisait, un de ces petits qui croit en moi, il vaudrait mieux pour lui qu'on suspende à son cou une meule de moulin et qu'on le jette au fond de la mer. Le Ouija board, on a déjà parlé, très dangereux. Touchez jamais à ces jeux-là. Ils sont vendus très facilement dans les magasins de jeux, tout ça, Noël, hein, comme c'est totalement inoffensif. C'est très, très dangereux, vous voyez. Les gens qui ne sont pas prudents peuvent se donner à ce jeu-là, donc Ouija, comme un médium va se livrer au mauvais esprit. Il y a un jeune homme, c'est son nom, il s'appelle Ben Alexander, hein, il a déclaré dans son témoignage, il dit « Dans ma propre expérience, le Ouija m'a amené à être contrôlé très concrètement par les esprits. » Être contrôlé par les esprits. Vous jouez à un jeu, vous offrez à vos enfants un jeu de Ouija board, voyez, et finalement, toc, c'est les esprits démoniaques qui s'emparent de vos enfants. La drogue. La drogue, voyez. On sait aujourd'hui que la drogue fait des dommages, hein, c'est les stupéfiants, voyez, qui sont là, je dirais, à portée de main. C'est reconnu mondialement, unanimement, même par la science, que c'est mauvais, la drogue. Mais tout d'un coup, on va la légaliser. Voilà ce que les méchants peuvent faire dans notre génération. Pourquoi? Parce que la jeunesse va être pourrie. Et plus elle sera pourrie, plus on pourra les contrôler. La plupart des jeunes qui en prennent disent qu'elle est inoffensive. C'est Dieu qui a créé les herbes. Ah ouais, hein? Ouais. Savez-vous que la drogue rend l'esprit de celui qui la consomme sensible au monde surnaturel? C'est une ouverture dans le monde des démons, la drogue. Et ces gens-là sont sans défense face aux mauvais esprits qui peuvent s'installer dans la personne et la posséder, posséder le drogué. Les mystiques en Orient, eh bien, se servent de la drogue pour entrer en contact avec les esprits. Et très rapidement, ils en sont possédés. Et dans les séances, donc, aujourd'hui, on dit, ben, c'est leur religion, regardez, on filme ça, puis tout d'un coup, la personne, elle part. C'est les démons qui s'emparent de ces personnes-là. Charles Manson, ça vous dit quelque chose? Ouais. Charles Manson, il était un chef spirit, hein, tristement célèbre, responsable de plusieurs meurtres, hein, en Californie. Et il est l'exemple, donc, typique de quelqu'un que l'usage de la drogue a amené à être possédé. La Bible dit, en parlant de Babylone, système babylonien qui est installé maintenant,
Et lors de la destruction de ce système-là, à la fin de la grande tribulation, il est dit, toutes les nations ont été séduites par tes enchantements, par ta sorcellerie. Voyez. Et ce mot enchantement dans la Bible, ce mot enchantement, c'est la même racine en grec que le mot drogue. Ce qui veut dire que la drogue va continuer dans le monde, même après l'enlèvement de l'Église. C'est un monde de drogués, littéralement, vers lequel on s'en va, un monde satanisé. C'est la raison pour laquelle cela va les aider à adorer Satan. La Bible dit que la terre entière va adorer le diable. C'est quasiment inimaginable, voyez. Mais par le biais, donc, de la drogue. Que d'artistes, que de chanteurs sont morts par la drogue. Et ces gens-là, évidemment, donc, sont tous en enfer. La Bible dit dans Apocalypse 21:8, mais pour les enchanteurs, hein, on parle ici là, d'occultisme et de drogués, leur part sera dans l'étang de feu et de soufre, ce qui est la deuxième mort. Et ensuite, le Seigneur va dire dans Apocalypse 22, verset 15, dehors de quoi? Dehors du ciel, en dehors, les chiens, ceux qui vivent l'impudicité, voyez, en dehors du mariage, dehors, les enchanteurs, encore là, la même racine donc, du mot drogue, tous les drogués, les impudiques, les meurtriers, hein, et quiconque aime le mensonge et le pratique. Et aujourd'hui, le mensonge est en train de couvrir la surface de la planète Terre. Dehors. Donc, nous continuons. Et nous voyons que si on doit faire attention à la chair, nous devons aussi faire attention à autre chose. Nous devons faire attention aux signes et aux événements qui arrivent par pur hasard. Vous savez, pur hasard. Hein? Satan est le singe de Dieu. C'est Luther, donc le réformateur qui a déclaré cela, il a raison. Voyez, c'est un chef imitateur. Imitateur. Il est maître en imitation, il est maître en contrefaçon, maître de mensonge. Et il est le meilleur de tout l'univers. Il a commencé par le mensonge avec Adam et Ève, et il continue encore jusqu'à aujourd'hui. Ça marche et ça fonctionne. Je suis étonné, personnellement, de toutes les superstitions. Les superstitions qui survivent encore aujourd'hui parmi les croyants. Vous savez, quand l'apôtre Paul est arrivé à Athènes, il a regardé Athènes et il a vu toutes sortes d'idoles, de statues, tout ça. Et même, il y avait un endroit où il y avait une sorte de statue et il y avait une plaque et c'était marqué à un dieu inconnu. Ça veut dire, au cas où on aurait offensé dans le panthéon de tous les dieux, un certain dieu ou une déesse, on ne veut pas qu'elle soit offensée, donc on va lui mettre une statue à un dieu inconnu. Paul arrive à Athènes, rempli de Saint-Esprit, et va leur dire, « Je vous trouve à tous égards extrêmement religieux. » Ce mot « religieux » ne veut pas dire « Je vous trouve à tous égards, donc très chrétien ou quoi que ce soit. » Non, non, ils ne sont pas chrétiens du tout. Et il va leur dire ce que ça veut dire. « Je vous trouve à tous égards extrêmement superstitieux. » C'est ça que ça veut dire. Je vous trouve à tous égards extrêmement superstitieux. Je vais vous montrer des différentes superstitions qui existent aujourd'hui dans le monde commun. Donc, un chat noir. Vous voyez, si vous regardez un chat noir, c'est très mauvais. Il va m'arriver quelque chose, quoi que ce soit. Ça, ensuite, passer sous une échelle. Passer sous une échelle, c'est très mauvais. Les gens superstitieux ne passent jamais sous l'échelle, parce qu'il va leur arriver quelque chose de terrible. Ouais, non. Ça, ce sont des superstitions. On va aussi araigner du matin, donc. Araigner du matin, qu'est-ce qu'on dit? Chagrin. Mais ce n'est pas vrai. Ouais, c'est une superstition. Vous pouvez donc être très joyeux donc, toute la journée. Ce sont des superstitions. Hein. On va dire quoi? On va dire araignée du soir, espoir. Toi,
Vous voyez comment le monde a inventé toutes sortes de choses qui sont fausses. Hein? Ensuite, on va en trouver d'autres. Un fer à cheval sur une grange. Pourquoi il y a des fers à cheval sur les granges? Parce que ça protège. Le fer à cheval va protéger la grange. Vous voyez? Ça n'a pas de sens. Mais c'est ce que les gens croient. On appelle ça des superstitions. Des superstitions. Hein? Et supposément, ça va protéger. L'eau bénite. Ah, l'eau bénite. Alors, on va en répandre partout dans la maison, toutes les pièces, tout ça, parce que là, la maison va être protégée, vous voyez, par de l'eau. Vous voyez, toute l'eau est bénite. La bonne eau autour de la planète Terre, vous voyez, elle est bénite. Elle est bénite. Ouais. Mais ça, c'est l'Église catholique. Si on rentre dans l'Église catholique, vous avez des superstitions, là, ça ne finit plus. Vous voyez, c'est inimaginable. Ça en est rempli. Ouais. L'eau bénite. Hein, ça, il y a des gens qui vont à Rome et ramènent de là l'eau bénite qui a été bénie par le pape ou monsieur l'évêque un tel, l'archevêque un tel, tout ça. Et là, vous êtes protégés. S'il y a un problème, s'il y a un orage, tout ça, dans votre, hein, durant l'été, projeter de l'eau bénite partout, tout ça, ça va protéger toutes les pièces. Ouais, ils nous ont fait croire n'importe quoi. Et les gens crédules ont cru. C'est des superstitions. On était vraiment des païens. Oh, vendredi 13. Vendredi 13, c'est terrible. On a déjà fait des conférences les vendredis 13, vous voyez. Alors, on a bien ri avec les chrétiens parce que nous, on n'est pas dans ce domaine-là. On n'a pas peur et on bénit le Seigneur. Mais les gens, eux, eh bien, ils se créent évidemment donc toutes sortes de choses. Là. Vendredi 13, donc il faut mettre le fer à cheval, tout ça, puis toutes sortes de choses pour se protéger. Hein, il y a 7 ans de malheur. 7 ans de malheur parce que hein, il y a la vitre a cassé. Hein, donc, sans arrêt. Hein. Quand un oiseau vient frapper donc contre une vitre, là aussi, dans la journée, attendez-vous à ce qu'il y ait quelque chose de très mauvais qui arrive. Les gens sont superstitieux. Et parfois, il y a des chrétiens. Un oiseau mort sur, dans votre driveway, tout ça, ou dans la cour de votre maison. Oh, vous mariez quelque chose. Ça, c'est... Non, attends. Vous voyez, c'est mais des fois, il y a des choses. On est chrétien, puis il y a des gens qui sont encore avec ces affaires anciennes, et puis qui croient ces affaires-là. Hein. La Bible dit de ne pas vous laisser facilement ébranler dans votre bon sens. Vous savez que la vie chrétienne, elle a affaire avec le bon sens commun. Vous voyez, avoir les deux pieds sur terre, vous voyez, et non pas uniquement des révélations ci ou ça. Non, vous voyez, attention, nous sommes parfois poussés, tentés de placer certaines décisions par rapport à des choses comme ça, que je vais nous montrer, s'il arrive ça veut dire ça. Dieu ne marche pas dans ce marchandage-là, absolument pas, vous voyez. On ne peut pas faire reposer une décision importante sur, par exemple, « Seigneur, si le soleil se lève de façon très claire, demain, ça voudra dire que jamais de la vie !» Vous voyez ? On ne peut pas mettre des affaires comme ça devant le Seigneur. Mettez votre confiance totale, c'est tout, dans le Seigneur. Hein. « Seigneur, si demain c'est nuageux, ça voudra dire que... » Dieu n'embarquera pas dans ça, vous voyez. C'est à peu près comme avec les fleurs, les marguerites, vous voyez. Je t'aime un peu à la folie, tout ça. Non, il ne faut pas rentrer, évidemment, donc, dans ce... C'est une sorte de gambling religieux, hein, c'est une sorte de jeu de hasard. Autant jeter des dés, hein, et on réduit Dieu à un jeu de marelle, ainsi de suite. Jamais Dieu ne va embarquer dans ces choses-là. Donc, simplement de mettre ça au point. Hein, s'il y a des épreuves, s'il y a des épreuves dans votre vie, vous voyez, et qu'on se pose mille et une questions, généralement, on doit arriver à la chose finale, cherche Dieu, prie, mets-toi à genoux, jeûne s'il le faut, demande l'aide du Seigneur. C'est là qu'est la réponse, vous voyez. David, dans la Bible, relisez la vie de David. Hein, je suis en train de préparer le cours sur la vie de David, donc à l'école biblique IBIF. Et David est remarquable parce qu'à chaque décision qu'il devait prendre, la Bible dit il consulta l'Éternel. Et David consulta l'Éternel. Et David consulta l'Éternel. Seigneur, est-ce que je dois attaquer là? Est-ce que je dois attaquer là? Hein, Seigneur, montre-moi. Et ainsi de suite. Donc, nous devons demander au Seigneur son aide et son secours. Amen. Alléluia. Donc, quand vous marchez à la manière de Dieu, vous n'êtes pas dans le hasard. Vous n'êtes pas dans le brouillard.
Absolument pas. Absolument pas. Il y a des choses qu'on ne comprend pas, mais on sait que Dieu nous tient par la main. C'est tout. Et on va de l'avant. Voyez, on va de l'avant. Donc, il faut toujours, je dirais, donc, s'accrocher au Seigneur. C'est là qu'est la réponse. Accroche-toi au Seigneur. Hein. Ce n'est pas une chance que vous prenez avec le Seigneur. On ne prend jamais de chance avec le Seigneur. On a abandonné notre vie au Seigneur. On est venu au calvaire, à la croix. Et lui a pris en charge notre vie. Et il va nous conduire jusqu'à la fin. Alléluia. Merci Seigneur. Quand vous jouez au hasard, qu'est-ce qui se passe? C'est que vous écrasez la raison. Vous ne réfléchissez plus. Voyez, il n'y a plus de réflexion, il n'y a plus de bon sens, hein, de ne pas vous laisser ébranler dans votre bon sens. Voyez, c'est ça le principal, le bon sens. Le bon sens, voyez, la vie chrétienne est faite de bon sens, ne pas vous laisser troubler. Hein, à l'époque, donc, les chrétiens étaient troublés, soit par quelque inspiration, soit par quelque parole, Dieu m'a dit pour toi, etc. Non. Hein, ou par quelque lettre qu'on dirait venir de nous, comme si le jour du Seigneur était déjà là. Vous voyez, si la grande tribulation était déjà arrivée. Non, absolument pas. La grande tribulation ne pourra jamais arriver tant que l'Église de Dieu est sur cette terre. Elle va arriver une fois que l'enlèvement aura eu lieu. Alléluia. Merci Seigneur. Donc, ne pas vous laisser facilement ébranler. Donc, quand on joue au hasard, vous voyez, on est en train d'accueillir l'ignorance. On est en train d'entretenir l'ignorance. C'est comme si on offrait de l'encens à un faux dieu. Hein, c'est comme si vous rendez votre conscience perplexe, comme si vous faites plaisir au diable et en même temps vous attristez le Saint-Esprit. Non, il ne faut pas faire ça, voyez, je ne peux pas vous le dire mieux que ça, voyez, c'est pas plus clair que je suis en train de vous le dire, voyez, il faut vraiment donc consulter le Seigneur, jamais, au grand jamais, ne consulter votre grand-mère qui est morte ou votre maman qui est décédée et aller lui parler, jamais de la vie, vous entrez en contact avec les puissances occultes, les puissances démoniaques. Voyez, même si elle vous apparaît au pied de votre lit, les démons sont capables de prendre la forme de votre mère, d'apprendre même la voix de votre mère ou de votre père. Ils sont capables de n'importe quoi. Ils ont pris à Lourdes, les démons, la forme de Marie qui est apparue à quatre pauvres petites bergères. Voyez, qu'elle leur a raconté toutes sortes d'histoires. C'est un haut lieu diabolique, donc en France, Lourdes. Si l'on vous dit consultez ceux qui évoquent les morts, si on vous dit hey, consultez ceux qui évoquent les morts. Répondez, dans Ésaïe 8, répondez. Un peuple ne consultera-t-il pas son Dieu? S'adressera-t-il aux morts en faveur des vivants? Jamais. Voyez. Donc, il faut évidemment que nous apprenions les leçons de la parole de Dieu. L'astrologie, évidemment, est très, très dangereuse. Là, vous avez ces gens qui vous téléphonent à la maison régulièrement. Oui, je suis l'astrologue une telle, tout ça. Je leur dis, madame, vous servez le diable. La Bible défend, absolument, interdit, absolument, de consulter ceux qui pratiquent cet art, comme ils l'appellent, l'astrologie. Voyez, il y a des chrétiens parfois qui sont tentés d'aller chercher une information par curiosité. Dans ce domaine, c'est très dangereux. N'allez jamais là. Je vais vous montrer pourquoi le roi Saül est décédé. Voyez, dans le livre des rois, on nous dit qu'il est mort, il a pris son épée, il s'est tiré sur son épée, mais le livre des chroniques nous dit le pourquoi il est mort. Regardez. 1 Chronique, chapitre 10, verset 13. 1 Chronique, chapitre 10, verset 13. Chronique, chapitre 10, verset 13. Saül mourut parce que... Ah, on a la raison. Saül mourut parce qu'il se rendit coupable d'infidélité envers l'Éternel. On parle ici d'incrédulité. Dont il n'observa pas la parole. Et parce qu'il interrogea et consulta ceux qui évoquent les morts. Il ne consulta point l'Éternel, aussi l'Éternel le fit mourir et transféra la royauté à David, fils d'Isaïe. Donc on voit ici particulièrement qu'il est mort parce qu'il a interrogé et consulté ceux qui évoquent les morts. Donc à ne jamais faire, à ne jamais faire. Amen. Alléluia. On va lire un verset dans Lévitique chapitre 20, verset 6. Dans l'Ancien Testament, c'était terrible.
Lévitique chapitre 20 et le verset 6. Lévitique, Genèse, Exode, Lévitique. Le chapitre 20 et le verset 6. Et le verset 6. Si quelqu'un s'adresse aux mâts et aux esprits pour se prostituer après eux, Dieu dit, je tournerai ma face contre cet homme, je le retrancherai du milieu de son peuple. Le chapitre précédent, regardez, chapitre 19, le verset 31, Lévitique 19, verset 31, « Ne vous tournez point vers ceux qui évoquent les esprits, ni vers les devins. Ne les recherchez point, de peur de vous souiller. » Ici, le Seigneur dit que c'est une saleté qui s'attache à la personne donc, qui consulte, qui se tourne vers la sorcellerie. « De peur de vous souiller avec eux, je suis l'Éternel, votre Dieu. » Donc, on a ici, évidemment, donc, les conséquences. Hein, et nous avons besoin, donc, de faire attention. Vous savez qu'à l'école, il y a actuellement de l'occultisme dans les écoles. Les ouvriers de Satan, donc, vont tendre leur piège jusque dans les écoles où il y a infiltration d'occultisme au primaire, au secondaire, université dans les écoles supérieures. Il y a même des cours sur l'occultisme, sous couvert de relaxation, yoga, nouvel âge, mysticisme, ainsi de suite. C'est très dangereux. Voyez, il faut mettre en garde, évidemment, nos enfants vis-à-vis de cela. Et on leur enseigne, nos enfants, qu'ils pourront un jour contrôler le monde par des pratiques occultes. Voyez. On leur enseigne que bientôt, un dictateur mondial va apparaître pour régner grâce à ses forces occultes. Ils le disent directement, voyez. Et dans la Bible, on parle évidemment de cet homme-là, ce gouvernement mondial, ce nouvel ordre mondial dont certains gouvernements disent « personne ne nous résistera ». C'est en train actuellement de se mettre en place, voyez. Et cet homme qui va arriver, qui va sortir littéralement sur la scène mondiale, qui va venir de l'enfer, possédé par Satan, établi dans la Bible, la bête, Apocalypse 13, un roi, Daniel 8, l'Antichrist dans 1 Jean chapitre 2, l'impie, l'adversaire dans 2 Thessaloniciens chapitre 2. Voyez, aujourd'hui, on a les religions diaboliques qui sont permises, acceptées, même encouragées, des cours de sexualité parmi les enfants, donc quasiment à la maternelle. C'est abominable. On est en train de baigner dans un bouillon de culture, je dirais, abominable et sale. Sale, voyez. Alors, ce qu'il faut leur apprendre, évidemment, c'est la parole de Dieu, avoir un culte à la maison. Ah ouais, les parents, c'est la responsabilité de leur apprendre à prier le Seigneur, de lire une partie de la Bible, donc aux enfants, des histoires simples, courtes, pour qu'ils apprennent à aimer donc la parole de Dieu. Alors, évidemment, on sait qu'on est averti de tout cela. Et le titre de ma conférence était justement « La vente des âmes ». Elle est en train de se passer actuellement, maintenant. La vente est grande. C'est une braderie, littéralement, donc, où les âmes sont vendues. Il y a un commerce, donc, d'âmes. Mais nous, comme chrétiens, notre âme n'est plus à vendre parce qu'elle a déjà été achetée par le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Et ce qui se passe actuellement, c'est que parmi le monde chrétien, il y a des prédicateurs, des pasteurs, des auteurs, des écrivains qui se disent chrétiens. Ils ont l'air chrétiens, ils disent qu'ils prêchent l'évangile chrétien, le plus pur, le plus authentique, mais tout en enlevant, je dirais, l'authenticité. C'est terrible. Qu'est-ce qu'ils enlèvent? Ils enlèvent la réalité du péché. Vous n'entendez jamais parler de péché. Ils enlèvent la dépravation de l'homme. Ils enlèvent la naissance virginale de Jésus-Christ. Ils enlèvent la mort expiatoire du Seigneur. Ils enlèvent sa résurrection. Vous vous rendez compte? C'est une braderie. Ils enlèvent la justification par la grâce au moyen de la foi.
ils enlèvent la réalité de l'enfer éternel, ils enlèvent l'enlèvement de l'Église, soudain, et ils enlèvent l'inspiration divine de la parole de Dieu. Ils enlèvent tout cela. Et cette nouvelle récolte actuelle de prédicateurs, d'enseignants, d'auteurs, eh bien, tous ces gens-là veulent nous faire croire que ce qui nous a été enseigné, donc ce que nous avons appris depuis 2000 ans, n'est pas le véritable christianisme. On est d'accord ? Ils ont remplacé les enseignements solides, orthodoxes, avec quoi ? Avec une théologie post-moderne, avec une sorte de justice sociale, une sorte d'activisme politique, et ce n'est plus « sauve ton âme », mais « sauve la planète ». Et ces gens-là disent que l'Église a été faussée depuis 2000 ans, que l'orthodoxie chrétienne a tort, que Jésus a tort, que la Bible a tort. On appelle ça « balonnie ». Vous voyez ? C'est un raisonnement que nous devons renverser, c'est un raisonnement pseudo-chrétien qu'ils ont imaginé dans leur pensée. Hein. Pour eux, le seul véritable christianisme, donc, c'est ce qu'eux enseignent, tout en enlevant la réalité donc, du péché, justification par la grâce, résurrection de Jésus-Christ, virginité, de la naissance virginale de Jésus-Christ, ainsi de suite. Donc, et je vais vous lire même ce qu'un pasteur épiscopalien, donc, s'appelle John Shelby Spong, a écrit. Lui, il écrit, je dirais, beaucoup, il a une série de livres, hein, il fait la promotion d'une nouvelle version du christianisme. Une version sans aucun péché, sans aucune culpabilité, sans aucun besoin de Jésus-Christ venu mourir sur la croix pour nous sauver. Je vais vous citer ce qu'il dit. La chose qui me dérange la plus sur l'Église aujourd'hui, c'est qu'on passe son temps à parler aux gens qui sont des pécheurs, misérables dans leur péché. Des gens qui demandent à Dieu d'avoir pitié d'eux. Quand il dit, quand vous chantez « Amazing Grace », donc, vous savez le cantique, la grâce étonnante, hein, quand vous chantez « Amazing Grace » à l'Église, on vous rappelle toujours que la grâce de Dieu a sauvé un misérable comme vous, et tout ça, c'est du stuff qui dénigre toujours les gens. Jésus est mort pour mes péchés. Il dit, c'est un message de culpabilité et rien d'autre. Il faut absolument se dégager de tout cela. Ce n'est pas le vrai christianisme. Une interview qui a eu lieu donc en octobre 2013. Ouais. Sponge a tort. C'est un menteur, il est dans l'erreur. Vous voyez, il y a une chrétienté véritable aujourd'hui qui chante Amazing Grace, c'est le vrai christianisme. Vous voyez, nous sommes misérables, oui. Nous sommes wretch, voyez, mauvais, méchants, nous sommes perdus dans nos péchés et Jésus est vraiment mort pour des impies, pour des pécheurs, pour nous sauver de nos péchés. Amen. Alléluia, gloire au Seigneur. Donc ce n'est pas évidemment des prédicateurs, des théologiens à l'esprit étroit, comme ils disent, qui ont inventé le christianisme. Ah, pas du tout. Les paroles sont sorties de la bouche même de Jésus. Même de Jésus, l'élève du maître. Qu'est-ce que Naboth a dit quand Achab a voulu prendre son héritage? Naboth a dit, je ne donnerai jamais l'héritage de mes pères. Jamais. Ne donnez jamais, n'abandonnez jamais l'héritage que nous avons depuis 2000 ans. Depuis 2000 ans, vous voyez. Mais aujourd'hui, à la fin des temps, il est dit que les gens se détourneront de la foi. Hein? Donc, vous savez, le sermon sur la montagne, quand Jésus a dit, si donc méchant comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants. Si donc méchant comme vous l'êtes, voyez, Jésus ne parlait pas aux scribes et aux pharisiens. À qui parlait-il? À ceux qui le suivaient, à ceux qui l'avaient cherché pour l'entendre prêcher. Et il appelle, le Seigneur appelle cela, ceux qui le suivaient, méchants. Ça veut dire en grec, c'est Poneroi, vous êtes poneroi, voyez. Et c'est le même mot dans le Nouveau Testament pour Satan, le méchant. Poneroi. Oui, nous sommes pécheurs. Oui, nous sommes méchants. Et c'est pourquoi les paroles du cantique Amazing Grace sont si puissantes et sont si vraies.
Jésus a dit que nous sommes capables de faire de bonnes choses, de donner de bons cadeaux, mais ça ne change pas le fait que nous sommes méchants, misérables, wretch et perdus dans nos péchés. Tant que nous ne sommes pas venus à la croix du calvaire. On a besoin de quoi ? D'un sauveur. D'un sauveur. Amen. Voilà la fondation du vrai christianisme. Amen. C'est une vérité fondamentale. Pourquoi tant de soi-disant chrétiens ont abandonné les enseignements de Jésus ? Pourquoi tant de chrétiens actuellement sont en train d'abandonner l'enseignement de la Bible ? Pourquoi est-ce qu'ils sont en train de renier 2000 ans de doctrine chrétienne vraie, authentique ? Pourquoi ? C'est simple. Jésus l'avait dit, il viendra beaucoup de faux prophètes. Et nous sommes à la fin des temps. Et ces gens-là veulent être acceptés par le monde. Ces gens-là veulent être admirés, adulés par le monde. Ils ne veulent pas être associés aux chrétiens évangéliques, rigides, hein, étroits d'esprit, intolérants, comme ils nous appellent. Non, ils veulent être admirés pour leur modernisme, pour leur ouverture d'esprit, pour leur approche illuminée, comme ils disent, envers le christianisme. Et ces faux prophètes, ils aiment porter l'étiquette de chrétiens, écoutez bien, progressifs. Comme en politique, voyez les progressistes. Ils veulent être appelés des chrétiens progressifs, post-modernes, post-évangéliques, voyez. Ils veulent porter le nom d'église émergente, de nouvelle église réformée. Nouvelle réforme, voyez. Et parfois, il faut beaucoup de discernement. Beaucoup. Pour discerner, distinguer, voir, faire la différence entre un chrétien progressiste et un chrétien orthodoxe qui croit la Bible entière et la Bible vraiment évangélique. Pourquoi ces chrétiens progressistes, eh bien, se servent des mêmes mots que nous, le même langage que nous, mais ça veut dire des choses différentes. Ça veut dire des choses différentes. Par exemple, je vais vous expliquer. Les chrétiens progressistes, modernistes, disent croire que la Bible est inspirée divinement, mais ne croient pas qu'elle est la parole de Dieu infaillible, soufflé par le Saint-Esprit. Eux, ils croient qu'elle est inspirée de la même façon que Shakespeare, Molière, Corneille ont écrit leurs poèmes, tout ça. Ils ont été inspirés. Ils croient dans le même sens. Les chrétiens progressistes disent croire que Dieu est amour, nous aussi. Nous aussi, voyez, oui, on croit que Dieu est amour, car Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils. On croit ça, nous. Eux, ils ne croient pas que la croix est l'expression de l'amour de Dieu. Rendez-vous compte. Non, non. Ils enseignent qu'un Dieu d'amour ne peut jamais punir les pécheurs, qu'un Dieu d'amour ne peut jamais juger le péché, qu'un Dieu d'amour ne peut jamais condamner un pécheur non repentant et incrédule à un enfer éternel. Crois pas ça. Les chrétiens progressistes disent croire à l'autorité des Écritures, mais nous aussi. Mais ils proclament et ils prêchent que les Écritures ont été mal comprises, que les Écritures ont été mal appliquées pendant les 2000 ans de l'histoire chrétienne. Ah, attends. Mais eux, ils sont les premiers chrétiens de toute l'histoire à vraiment comprendre ce que signifie la Bible. Ils disent, voilà, cette partie-là, tu devrais l'ignorer, celle-là est bonne, celle-là n'est pas bonne, etc. Donc, on est mieux de prendre un ciseau, puis couper ici, couper là, puis vous avez un semblant de Bible. Les chrétiens progressistes disent croire à la résurrection. On croit à la résurrection, mais nous aussi, on y croit. Mais si vous insistez pour savoir si ce qu'ils affirment, c'est vraiment la résurrection littérale, la résurrection corporelle de Jésus, la résurrection fait historique, ils vont vous dire que la résurrection de Jésus, non, c'est une métaphore, voyez, c'est une image spirituelle, c'est une comparaison spirituelle puissante, voyez. Métaphore, qu'est-ce que ça veut dire? Métaphore, ça veut dire de méta et phora en grec, ça veut dire changement de sens. Changement de sens. Une métaphore, voyez, eh bien, vous changez le sens de la résurrection. Eux, ils ne croient pas que Jésus est ressuscité corporellement. Il est ressuscité en esprit. Ouais. Vous pouvez avoir une longue conversation avec un chrétien progressiste, et il va vous parler le même vocabulaire que vous. Le même vocabulaire, les mêmes mots que vous, et vous semblerez être sur la même longueur d'onde. Mais c'est fou.
si vous continuez la conversation assez longtemps, si vous posez les bonnes questions, vous allez découvrir que vous vous parlez l'un l'autre à partir de deux planètes totalement différentes. Leur christianisme n'est pas celui de la Bible. Leur christianisme n'est pas le christianisme où Jésus-Christ est le Messie. Voyez, si vous voulez être approuvé par le monde qui est en train de mourir, si vous voulez vendre votre âme au diable, c'est très facile, très. Abandonnez simplement les vérités fondamentales du christianisme. Et cette fausse forme de christianisme, eh bien, ne fait jamais aucun jugement moral contre le péché. C'est la raison pour laquelle, dans les églises, vous n'entendez jamais parler contre le péché, vous êtes en danger. Dire, en terminant un article, le titre, c'était dans un journal, le titre était « Ils ont foi que leur église va changer ». 2017. Le journaliste s'appelle Brandon Whitrow. Regardez ce qu'il dit. Ils sont jeunes, libéraux, LGBTQ+, pro-choix, féministes, aimant la science, acceptant le changement du climat, accueillant les immigrants. Non, ce n'est pas un rapport venant de notre univers, mais c'est ce qui est en train de s'élever sur la vague évangélique. Cela est en train de forcer certains de ces évangéliques progressifs à se départir et à renoncer au nom et au titre d'évangélique, titre qu'ils ont porté jusqu'à maintenant. Le cofondateur de ce mouvement progressiste, Tony Campolo, a déclaré au Premier ministre que beaucoup de gens qui sont évangéliques ne veulent plus porter ce nom-là. Être évangélique en Amérique du Nord signifie être anti-gay, anti-femme et pour la guerre. Vous rendez compte ? La Bible, c'est la parole de Dieu. On est sauvé par grâce, par la foi, dans la mort expiatoire de Jésus. Et vous remplacez l'évangile par quoi ? Vous remplacez l'évangile avec un agenda de la gauche politique. Vous remplacez l'évangile par « Sauvons la planète ». On remplace l'évangile par une guerre politique. On remplace l'évangile avec des avortements sans aucune restriction, avec le darwinisme, avec l'infanticide, avec les politiques LGBT, etc., etc. Et ensuite, vous dites au monde, voilà, cet agenda politique gauchiste, c'est le vrai christianisme. Mais attends. Et ces doctrines et ces dogmes de la Bible sont là depuis 2000 ans, c'est du fake. C'est faux, c'est truqué, c'est de la pure invention. Voilà aujourd'hui ce qui se passe dans le monde évangélique. Quelqu'un a fait un calcul, une société qui a calculé, a déclaré qu'actuellement, il reste environ 17% des évangéliques qui croient à ce livre en entier. Tout ce qui se dit évangélique ne le croyait pas. Il y en a seulement environ 17% qui croient tout ce que nous croyons et que vous croyez. Baissons nos têtes et prions Dieu. Seigneur, nous te bénissons et nous te glorifions que d'âmes sont en train de se vendre au diable. Nous te demandons, Seigneur Jésus, que nous puissions garder les yeux sur toi. La séduction sera si grande, elle l'est déjà. Garde-nous de tous ces pièges diaboliques. Garde nos yeux fixés sur toi. Nous te bénissons de nous avoir sauvés, pardonnés tous nos péchés. Merci, Seigneur, d'avoir pris notre place, toi, comme victime expiatoire. Merci, Seigneur, dans le nom puissant de Jésus. Amen. Et tout le peuple dit Amen. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Que Dieu...